Rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé, j'espère que c'était cool. On va reprendre cet après-midi, on va commencer par un talk de Mythique. Un petit retour d'expérience, vous avez la chance d'avoir non pas un mais deux Sébastien sur scène. Voilà, ils ont tous les deux le même prénom, ça va être très pratique pour les questions. Ils vont vous faire un petit retour d'expérience sur comment est-ce qu'on teste, comment est-ce qu'on implémente nos stratégies de test sur du Kubernetes. Vous les avez peut-être déjà vus à un meet-up, je vous demande de leur faire un bon accueil. Sébastien Le Gall et Sébastien Lavallée. Effectivement. Bonjour à tous. Alors, nous, on va vous présenter du coup comment on a construit notre stratégie de test autour de Kubernetes et du coup comment on s'en sert pour faire des tests end-to-end. Alors, je me présente, je m'appelle Sébastien Lavallée, je suis lead développeur chez Mythique. Voilà, donc quant à moi, je suis tech lead de back-end chez Mythique et donc je m'appelle aussi Sébastien Le Gall. Alors, on va commencer par une petite présentation de la stack Mythique. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la stack Mythique. Est-ce que tout le monde connaît Mythique déjà? J'espère que oui. Voilà, très bien. Alors, donc la stack Mythique, ça ressemble à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une architecture orientée microservices et event-driven. Globalement, comment ça se passe le flow de travail? On a une stack front-end ici, là, des frontaux web, mobile, iOS, Android. Bon, qui sont en Angular, etc. On a une couche d'exposition qu'on retrouve ici. Donc cette couche d'exposition, elle sert à communiquer, à faire l'interface finalement entre le back-end et la couche microservice et les frontaux. Elle est développée en PHP sur le framework Symfony 2, on y reviendra un petit peu. Ensuite, on a une couche microservice. Donc là, on a un ensemble de microservices, donc des petites applications qui sont découpées par domaine fonctionnel. C'est là qu'on introduit le domain-driven development. Typiquement, on va avoir une application qui est en charge de gérer le profil utilisateur chez Mythique, une application qui est en charge de gérer la photo chez Mythique. Pareil pour l'annonce, pareil pour la messagerie, etc. Et donc, quand un de ces microservices fait une action, typiquement insère une donnée en base, et donc là, on va retrouver différentes technologies de base, on va avoir du Postgre, on va avoir de Elasticsearch, on va avoir du Cassandra, on va avoir de l'Oracle, etc. Quand un microservice fait une action, il envoie un message dans un bus d'événements, chez nous c'est Kafka, en disant, bah voilà, moi j'ai fait une action, et on a des consommateurs qui, chez nous, pareil, sont développés en Scala, viennent écouter ces événements et réagir en conséquence. On va voir ça sur un exemple plus précis. D'abord un petit mot d'introduction, Phil Carlton a dit, il y a deux choses qui sont vraiment difficiles en ingénierie dans l'informatique, c'est l'invalidation du cache et le fait de nommer les choses. Je rajoute qu'il y en a une troisième, c'est tester une stack microservice. On va voir pourquoi. Bon, je ne reviens pas sur la définition de test unitaire, test fonctionnel, l'intérêt, pourquoi on fait ça, etc. Je crois que l'image est assez parlante. Voilà pourquoi. Alors, pareil, je ne vais pas forcément revenir sur les histoires de pyramide de tests. Hein, c'est assez connu, beaucoup de tests unitaires, un peu moins de tests de comportement, encore un peu moins de tests end-to-end, et c'est sur la partie test end-to-end notamment qu'on va essayer de se concentrer. Si on prend un exemple de comment ça marche une stack microservice, ça marche comme ça. On va prendre un exemple tout simple, hein, quelqu'un qui veut s'inscrire chez Mythique. Donc il est sur mobile, là-haut, hein, il vient sur son device, ça peut être l'application Android, iOS ou la web app mobile. Il remplit son formulaire de création de compte. Il y a un appel qui est fait en poste sur la couche d'exposition. La couche d'exposition transmet la requête à la couche microservice. Et en l'occurrence, là, ça va être le microservice en charge du profil utilisateur, parce que c'est lui qui va être responsable d'inscrire la donnée, de créer le profil utilisateur. Le microservice profile donc prend cette data, l'insère en base, et une fois qu'il l'a inséré en base, il envoie un message en disant bah voilà, moi j'ai créé un nouvel utilisateur, il a l'ID disons 1, 2, 3, il envoie un message dans le bus d'événements, donc chez nous c'est du Kafka. Et ensuite on a un consommateur Scala qui vient dépiler ces événements, qui s'abonne à différents topics, à des queues, finalement des files d'attente, et qui vient de réagir. Et là typiquement dans le cas de l'inscription d'un nouvel utilisateur, eh bien notre consommateur il dépile les événements, il dit moi ça m'intéresse le fait qu'il y ait un utilisateur qui soit inscrit, je m'abonne à ce flux d'événements, et je réagis en appelant le microservice emailing, et lui disant d'envoyer un mail de bienvenue à l'utilisateur. Bon, voilà comment ça marche. Alors si on se penche un petit peu sur comment on teste tout ça, bon il y a des use cases qui sont relativement, voilà, très bien, qui sont relativement simples. Tester unitairement la couche d'exposition, facile. Comme tout code, ça se teste unitairement avec des interfaces, ce genre de choses. On peut moquer plein de choses. Les microservices profile, emailing, le consommateur, c'est pareil, on peut le tester unitairement, c'est très simple. Faire des tests de comportement, on complexifie un petit peu la chose. Pour faire des tests de comportement sur la couche d'exposition, eh ben, on peut le faire. Il faut juste moquer la couche microservice. Bon, mais à la limite, on peut se démerder avec des technologies de mock. Tester le microservice profile, pareil.
relativement simple. On va juste simplement, avec une stack Docker, faire tourner le microservice profile dans un coin et la base donnée dans un autre. Et puis on va effectivement pouvoir tester des insertions en base, ce genre de choses. Tester le consommateur, pareil, on va simuler des événements, que le consommateur dépile des événements. Le microservice emailing, là dans notre exemple, il dépend d'aucun autre service, donc ça va être relativement simple de faire des tests de comportement. La question qui va se poser, c'est comment on fait des tests end-to-end ? Comment on teste que quand on crée un utilisateur chez Mythic, il reçoit bien un mail de bienvenue ? On voit qu'on a de l'asynchronisme, etc. Et donc c'est là que la problématique se pose. Alors, si on prend un petit peu le workflow de travail, et où est-ce qu'on insère ces tests end-to-end ? Bon, globalement, ça se passe comme ça, et c'est souvent partout pareil, hein. On est développeur, on code sur son PC, on pousse régulièrement du code dans GitLab. On a une CI qui prend la main, qui va nous assurer, nous donner une feedback loop rapide sur des tests unitaires, des tests de comportement. Donc là, l'intérêt, c'est que chaque fois qu'on pousse du code, on a un feedback rapide. La CI nous dit tout de suite, t'as cassé un truc, t'as pas cassé un truc. Et quand on bosse sur un composant, un microservice, finalement, c'est ce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir si le composant sur lequel on bosse, on n'a pas cassé des choses, des contraintes d'interface, des choses comme ça. Donc grâce à avec la CI qui tourne régulièrement, chaque fois qu'on push, par exemple, on va pouvoir avoir ce genre de feedback rapide. L'étape d'après, c'est vraiment quand on va vouloir déployer. Quand on travaille sur une user story, donc quelque chose qui va avoir un impact pour l'utilisateur, là, on va vouloir s'assurer qu'on n'a pas cassé quelque chose dans le workflow global de la stack. Et donc, on va vouloir, avant de déployer, et souvent, moins souvent, faire des tests end-to-end, ou des tests de non-régression qu'on va faire tourner par exemple toutes les heures ou tous les jours. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va intégrer nos tests end-to-end. Et donc, vérifier que quand on fait une action, on a un ensemble d'actions qui sont déclenchées, parfois même de façon asynchrone. Alors, si la télécommande veut bien répondre, voilà. Du coup, on va voir comment on fait pour construire notre stratégie de build sur nos différents types de tests. Alors, ici, on voit les 3K. Donc, les 3K, ils ont chacun leur scope. Et donc, ça implique des constructions de conteneurs pas forcément différentes, mais aussi qui peuvent être un peu différentes. Pour les tests unitaires, on va avoir besoin de notre code, on va avoir besoin de ce qu'il faut pour exécuter notre framework de test, et à partir de là, normalement, on devrait pouvoir exécuter nos tests unitaires. Pour nos tests de comportement, là, il va falloir rajouter les interactions directes qu'il y a autour de notre microservice. Du coup, par exemple, si on a un microservice qui appelle une base de données, il va falloir rajouter une base de données pour qu'on puisse pouvoir tester ce qui se passe dans notre microservice. Et quand on est en stratégie end-to-end, ce qu'on a dit, il va falloir avoir toute la stack, il va falloir avoir toutes les interactions pour être sûr que tous les composants interagissent bien entre eux. Alors du coup, pour notre stratégie de test unitaire, comment on va faire ça ? On va rajouter un Dockerfile très simplement dans notre projet, et notre Dockerfile il va décrire ce qu'on a besoin pour pouvoir runner notre framework de test. Donc ici, c'est très simple, on a notre OS, on va rajouter ce qu'il faut pour faire tourner notre framework, donc là ici c'est PHP, puisqu'on utilise PHP Unit dans nos microservices. Ensuite, on va avoir quelques fichiers de conf, quelques petits ajustements au sein de la stack de base, et normalement ça va nous permettre de runner nos tests unitaires. Et bien sûr, on arrive à faire runner nos tests unitaires comme ça. Par contre, pour nos tests de comportement, c'est un peu plus... Enfin, ça marche pas, parce que du coup, il nous faut une base de données. Alors du coup, comment est-ce qu'on va faire pour avoir cette base de données-là pour faire nos tests ? Et bien là, dans le projet, on va rajouter un Docker Compose en plus. Qu'est-ce que le Docker Compose il va nous apporter ? Il va nous apporter la fédération entre notre exécuteur qui va exécuter notre code, plus les composants directs. Donc là, dans le cadre du microservice profile, on sait qu'il a besoin d'une base de données. Donc du coup, dans notre Docker Compose, on va décrire le fait d'avoir besoin d'une base de données. Et normalement, quand on va lancer nos tests de comportement, ça va marcher. Et bien sûr, on constate que ça marche. On arrive à exécuter nos tests de comportement. Autre point qui est assez important, c'est que des microservices, généralement, vous n'en avez pas qu'un dans votre stack, vous en avez beaucoup. Et si vous appliquez cette stratégie qu'on vient de voir à chaque microservice, ça veut dire que quand je vais vouloir éditer une configuration, par exemple, sur mon conteneur de base, parce qu'il n'est pas tout à fait ajusté et j'ai besoin de l'ajuster, va falloir que je recommitte sur tous mes projets cette modification-là. C'est un peu lourd. Alors du coup, on va utiliser l'héritage des conteneurs Docker, qui va nous permettre justement de s'abstraire de ça et d'éviter de devoir committer 30 fois la même chose. Du coup, on va avoir un conteneur de base qui va nous permettre de runner notre framework de test. Dans chaque application, on va étendre ce conteneur
pour éventuellement adapter des petites modifications qu'il y a besoin, des petites spécificités pour chaque microservice. Et voilà. Côté Docker Compose, là on ne peut pas faire trop grand chose. Chaque microservice a ses propres dépendances. Ils vont garder plus ou moins leur Docker Compose tels qu'ils sont. Et la dernière chose, c'est d'ajouter un makefile qui va nous permettre d'avoir un set de commandes unifiées pour notre CI. On le verra tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Dockerfile qu'on a vu tout à l'heure, du coup, on va l'extraire et on va le mettre dans un repo à part. On va faire juste une petite modification. Dans l'entry point de ce Dockerfile, on va rajouter la possibilité d'étendre le entry point pour lui rajouter des choses à faire. Ça va permettre d'avoir dans chaque microservice la possibilité d'ajouter des petits scripts qui vont pouvoir faire des choses bien spécifiques pour chaque microservice. Du coup, à côté du microservice, qu'est-ce qu'il y a? Et bien là, du coup, je vais récupérer mon image que je viens de builder. Et puis, éventuellement, je vais rajouter un petit script SH qui s'appelle ici Dockerize et qui va me permettre d'attendre que la base de données Oracle soit montée afin de lancer mes tests de comportement. Parce que si la base de données n'est pas montée, ben du coup, les tests ils vont échouer, mais ce n'est pas dû au code. Donc voilà. Côté Docker Compose, ici on peut voir la différence entre deux microservices. D'un côté, le Docker Compose du microservice profile qu'on a vu, donc avec le PHP et Oracle. De l'autre côté, pour le microservice emailing, qui lui fait des appels HTTP, et donc du coup, je ne vais pas remonter toute la stack d'appels HTTP autour, je vais faire des mocks qui vont me permettre de maîtriser les appels qui sont faits, et donc du coup dans mes tests, d'être sûr des réponses que je vais recevoir, et donc du coup d'avoir un set de tests maîtrisés. Dernier élément qu'on a vu, le makefile. Le makefile, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte un set de commandes unifiées. Ce set de commandes, il va nous permettre de lancer les tests de façon unique sur toute notre CI et d'avoir une abstraction au niveau du lancement. C'est-à-dire que je pourrais très bien utiliser des technologies de tests différentes, mais toujours utiliser la même ligne de commande qui me permet de lancer ces tests-là. Ce fichier-là est stocké dans chaque repository, puisque du coup il faut avoir les spécificités pour chaque microservice. Et voilà. Du coup, ici, voilà par exemple un petit comparatif entre le makefile du microservice profile et celui d'emailing. À droite, on voit que le makefile, il lance juste mes tests de comportement. À gauche, pour emailing, il y a un besoin de préparer le cache du microservice avant de lancer les tests. Et donc, du coup, ce sera fait dans la commande. Par contre, au niveau de la CI, la CI, elle ne saura pas qu'il y a ça qui est effectué, elle va juste lancer ses tests, et les tests vont pouvoir s'exécuter très facilement. Du coup, pour résumer, dans notre arborescence de fichiers, on va avoir le makefile, notre Docker Compose, nos Dockerfiles qui vont être récupérés avec les spécificités du microservice, et normalement, ça va nous permettre de lancer nos tests unitaires et nos tests de comportement sur l'ensemble des éléments de notre stack, quelle que soit la technologie, quelles que soient les spécificités de chaque élément. Tout ça très bien. Par contre, pour nos tests end-to-end, c'est là où on a un souci, c'est qu'il va falloir faire marcher tout ça de façon commune. Et c'est là où on va voir qu'est-ce qu'on a fait pour aborder ce problème. Donc on a parlé des tests end-to-end, il nous faut une stratégie. Dans quel cadre on run les tests end-to-end? On a vu qu'on ne va pas forcément les runner à chaque fois qu'on pousse un commit. L'idée c'est de se pencher un petit peu sur cette stratégie-là. Bon, en général, quand on fait des tests, on a deux sortes de problèmes. Le premier, c'est qu'on a toujours différentes personnes qui veulent tester différentes choses en même temps. Donc ça, c'est un premier souci. Donc ça veut dire qu'il nous faut des environnements isolés. Et le deuxième sujet, c'est que quand on veut tester une user story, et en particulier quand on est dans le cadre d'une architecture microservice, une user story, quelque chose qui a un impact sur l'utilisateur, ça implique bien souvent de faire des changements dans plusieurs composants, dans plusieurs microservices, dans plusieurs domaines fonctionnels. Chez nous, on a une stack de microservices, on l'a dit, on a à peu près 30 microservices, 30, 32, j'ai plus le compte. On a des consommateurs associés à chacun de ces microservices, donc c'est à peu près la même chose. On a 6 différentes technologies de base de données, on fait tourner Kafka, et on n'a pas du tout parlé de la partie Dataware, etc., Hadoop, etc.
et on reviendra pas dessus aujourd'hui, mais on a quand même beaucoup d'éléments à la stack. La première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi pas faire tourner ça sur des VM. Après tout, on spawn une VM, on fait tourner un Docker Compose, dans son Docker Compose, on va lister l'ensemble des microservices. Bon, ok, les microservices, on en crée, disons, une fois tous les deux fois par mois, un nouveau deux fois par mois, mais bon, il faut le rajouter, il faut le maintenir, à la limite, ça peut se faire. Le problème, il n'est pas tellement là. Le problème qu'on rencontre avec cette stratégie-là, c'est que, d'abord, bon, René, faire tourner plusieurs Docker Compose sur une VM, c'est compliqué. On a des conflits de port, des conflits de nom, des conteneurs qui vont s'appeler pareil, ça devient vite compliqué. Le deuxième élément, c'est qu'on a 150 personnes à l'IT chez Mythic. Donc ça veut dire potentiellement, on a dit, hein, plusieurs personnes veulent tester plusieurs choses en même temps. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans la situation où on fait tourner 150 VM. Il faut les spawner, c'est un petit peu relou. L'autre chose, c'est faire des tests automatisés sur des VM qu'on spawn à la volée, ça aussi c'est compliqué. Il y a des technologies qui permettent de le faire, hein. On a du Terraform, des choses comme ça quand on est dans le cloud, ce qui n'est pas notre cas, mais ça reste un petit peu lourd à mettre en place quand on veut lancer des tests de façon automatisée dans une CI. Et le dernier élément, c'est que, on l'a dit, Docker Compose ne gère pas bien les noms de domaine. Et quand on veut faire des tests end-to-end, par définition, il nous faut un nom de domaine, parce que c'est notre endpoint. C'est la raison pour laquelle on est parti chez Kubernetes. Globalement, Kubernetes gère très bien ses conflits de port et conflits de nom grâce à la technologie des namespaces. L'autre point, c'est qu'Ingress permet de gérer très facilement la problématique des noms de domaine. On associe facilement un nom de domaine à un service. Et le dernier point, c'est créer et supprimer des namespaces sur Kubernetes, c'est facile. C'est très simple et on va voir comment on s'est servi de cette solution. Donc si on se penche un petit peu sur notre workflow, qui va faire des tests chez Mythic? D'abord, il y a les product owners. Product owner, je spécifie une feature, j'ai envie de tester, que ce qui a été développé, ça correspond à ce que j'ai spécifié, que ce que je vais shipper en prod, et ben ça répond bien aux besoins du utilisateur. Donc là, on est dans le cadre d'un product owner, un product manager, on n'a pas forcément envie de lui mettre à disposition un outil en ligne de commande qui risque d'être compliqué à lancer sur du Windows, des choses comme ça. Donc, on a besoin d'une interface utilisateur assez user-friendly pour pouvoir lancer les tests. L'autre chose, c'est quand on est développeur, on a envie de faire des tests de façon manuelle aussi. On a fait un dev, on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. Bien sûr, tout le monde fait du TDD, etc. Mais en réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc, on a envie de tester et parfois manuellement. On peut très bien utiliser un outil en ligne de commande et aussi une interface graphique. Ça peut simplifier la vie. Le dernier élément, c'est que quand on veut faire tourner des tests end-to-end de façon automatisée, il nous faut de toute façon un outil en ligne de commande. Donc si on reprend un petit peu notre workflow, comment on pourrait imaginer ce travail-là sous Kubernetes? D'abord, on a un cluster Kubernetes, on crée un namespace qui va être un environnement isolé. Donc ça, c'est idéal pour lancer les tests. On a un environnement isolé. On va y appliquer, on va déployer dans ce namespace l'ensemble de la stack Mythic dans son état tel qu'il est en production. Donc on va prendre toutes les versions qui sont toutes des packages, des releases qui sont en production, on va déployer ça dans notre namespace et on va venir faire varier uniquement certains packages, certains microservices. Typiquement, si j'ai développé une feature qui impacte le microservice A, B et C, et ben je fais varier juste les microservices A, B, C et tout le reste de l'alphabet reste dans son état tel qu'il est en production, ce qui nous permet d'avoir un état de base qui est similaire à la production et vraiment se concentrer sur tester ce qu'on a modifié. Ensuite, on lance les tests et à la fin, on trash le namespace et on revient dans l'état initial. Et donc, la question maintenant, c'est comment on fait pour pousser ces conteneurs dans Kubernetes? Parce que pour pouvoir les pousser, évidemment, il faut des conteneurs. Et donc, du coup, il va falloir builder ces conteneurs pour pouvoir avoir le code qui tourne dedans. Donc là, notre problématique, elle est différente de ce qu'on avait avant. Avant, on voulait runner le framework de test. Maintenant, on veut runner notre code. Donc, on a besoin de deux choses. On a besoin de créer les images et de les poser à un endroit où Kubernetes va pouvoir les récupérer. Donc, poser un endroit pour que Kubernetes puisse se récupérer, c'est assez facile. On va utiliser chez nous Artifactory. Artifactory va regrouper toutes les images, soit les images qui vont être buildées par notre CI et qui vont être poussées sur Artifactory, soit des images qu'on va aller récupérer sur Docker Hub, par exemple Nginx, Kafka, MySQL. Nous, on ne va pas reconstruire tout ça, hein. Il y a des gens qui l'ont déjà fait pour nous. Donc on va tout déposer ça sur Artifactory. Et du coup, on va avoir un endroit centralisé pour où Kubernetes va pouvoir récupérer ces images. La construction des images chez nous, c'est l'autre point. Comment ça va se passer? C'est notre CI qui va le faire. Donc une fois qu'on aura passé les tests unitaires et les tests de comportement, on va dire, c'est OK, le code, a priori, il est capable de tourner. Donc on va créer une image en utilisant une Dockerfile qui va être une Dockerfile générique pour faire tourner du coup notre code. Donc si c'est du Scala, on va utiliser une base qui fera tourner du Scala, donc avec un Java dedans. Si on est sur du PHP, on va mettre du PHP, et du coup on va construire notre image, et on va la pousser.
Si on prend notre exemple de microservice de tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on a un Dockerfile qui est assez simple, avec sur une base PHP. On va aller chercher l'artefact qui a été créé par notre CI à la base. On va le monter dans notre conteneur. Et puis, ce conteneur-là, on va le builder. Et normalement, quand on va le pousser sur Artifactory, ça va marcher. Il y a un petit point qui est un peu spécifique chez nous, c'est la data. La data, on a énormément de data. On a beaucoup de bases de données sur différents types de bases de données. Et c'est là où c'est compliqué pour nous, parce qu'on ne va pas pouvoir juste dumper ce qu'on a en prod et puis la mettre dans un conteneur et la monter sur Kubernetes. Ça ne va pas marcher. On va atteindre des limites très rapidement. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un subset de data de notre production et du coup les monter dans des conteneurs. Oui, on est stateless. Et on va aussi anonymiser ces data. Du coup, comment ça marche? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des requêtes sur notre base de données et on va vouloir extraire les mêmes ratios qu'on a en prod. Donc par exemple, si on a 52% d'hommes et 48% de femmes sur notre site, et ben, dans notre extract, on va vouloir récupérer le même ratio. 52% d'hommes, 48% de femmes. La même chose pour les autres ratios, donc par exemple des ratios de recherche, les ratios de personnes actives, personnes non actives. Une fois qu'on a ce pool d'ID, qu'est-ce qui suffit? Il suffit d'aller requêter chacune de nos bases de données, récupérer les informations qui sont stockées pour chacun de ces utilisateurs, de les anonymiser. Et une fois qu'elles sont anonymisées, bah, du coup, on va créer des conteneurs avec ces données dedans là. Et ensuite, on va les pousser sur Artifactory et elles seront disponibles pour Kubernetes. Donc maintenant qu'on a tous nos conteneurs qui sont sur Artifactory, on va voir comment est-ce qu'on fait pour orchestrer ça et du coup créer un namespace sur Kubernetes qui nous permet de tester. Alors, donc à ce moment-là, on est dans une situation où on se dit « Ok, on va partir sur des namespaces, on va de façon à isoler nos environnements de test, il reste encore à manager les namespaces. Comment on fait pour créer des namespaces à la volée facilement dans un workflow relativement fluide où on va créer un namespace, y appliquer, déployer toute la conf, toute la stack mythique dans ce namespace et à la fin lancer nos tests, trasher namespace, etc. » Globalement, l'objectif, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a notre cluster Kubernetes et on va avoir un ensemble de templates et de valeurs par défaut qui sont nos fichiers de configuration Kubernetes. La différence, c'est que ces fichiers de configuration, YAML, souvent, on va vouloir les appliquer dans différents namespaces pour différents use cases. On va avoir un environnement pour Sarah qui va tester le microservice profile dans sa version 0.1.2. On va avoir un Job Jenkins, par exemple, qui va lancer un test de non-régression toutes les heures, non pas sur des versions spécifiques, mais sur les versions qui sont actuellement déployées en prod, donc un équivalent des latest, etc., etc. Et donc l'idée, c'est à partir de ce template-là, on fait varier certains éléments pour pouvoir, et c'est une fois qu'on a fait varier ces éléments qu'on déploie la configuration dans les différents namespaces. Bon, pour faire ça, on a créé un outil qui s'appelle Blackbird. En gros, Blackbird, c'est un namespace manager pour Kubernetes. C'est assez proche de ce que fait Helm. L'idée, c'est on a un set de templates. C'est de la configuration Kubernetes. On a ce qu'on appelle des inventories, donc c'est des fichiers qui décrivent finalement les différents éléments qu'on veut faire varier dans la stack. Le tout, ça fait un package, et c'est ce package qu'on vient déployer, associer et déployer dans un namespace. Donc le workflow de travail avec Blackbird, ça ressemble à quelque chose comme ça. Blackbird, on peut l'attaquer en CLI ou en REST. Il expose une API REST. C'est ce qui va nous permettre de plugger une interface utilisateur un peu user-friendly pour les product managers et même simplement pour se faciliter la vie au quotidien. Globalement, Blackbird va venir générer des fichiers de configuration pour un namespace qu'on vient de créer, appliquer ces changements dans le namespace. Ensuite, on va pouvoir faire nos tests et à la fin, Blackbird se charge de tout détruire et de cleaner. Alors, on a prévu une petite vidéo, une petite démo. Vous allez voir, on va essayer de mettre en pause la vidéo à un moment donné. Il y a un sujet qu'on va aborder après qui est intéressant, c'est la séquence de démarrage des conteneurs. Alors, vas-y, tu peux passer. Ah non, comme ça. Voilà. Donc ça commence comme ça. On est dans un terminal. Je ne sais pas si on y voit. Peut-être on aurait dû zoomer sur le terminal. Donc Blackbird Create, on crée un namespace. Là, le namespace s'appelle Paris Counter Day. On nous dit qu'il y a un fichier inventory qui a été généré, qu'on peut venir éditer. Donc là, c'est typiquement le genre d'opération qu'on pourrait faire dans une GUI. Là, typiquement, on va venir éditer une version d'un microservice, le microservice API de sizing, qu'on va passer en version 1.1.0, parce que c'est la version qu'on veut tester, qu'on s'apprête à déployer en production. Voilà. Ensuite, on fait un Blackbird apply, donc c'est assez similaire finalement à kubectl ou à Helm. D'ailleurs, ça repose sur kubectl derrière. Voilà. On apply. Alors là, si tu vas pouvoir mettre pause dans 3 secondes. Non, faux. Très bien. Attends. Nickel. Est-ce que ça marche ça? Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà, hop, hop.
Voilà. Et là, ça marche ? Voilà, très bien. Alors, donc là, OK, on déploie la stack. Alors, je fais juste une petite pause. Voilà, donc là, on est dans un état. Alors, on a passé un petit peu cette phase en accéléré. Donc, ça, c'est typiquement, on a fait un kubectl getpod avec un watch dessus. Donc, on voit qu'on a nos microservices qui run. On a des microservices qui sont en train d'être créés. On a un conteneur qui traîne là-bas qui s'appelle Legacy. Donc, je vous laisse deviner. Hein. Là, c'est le truc qui va mettre le plus de temps à démarrer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, sur ces pods-là, on a, donc c'est des pods qui sont des consumers Scala, hein, qui viennent se connecter à Kafka pour dépiler les messages. On voit qu'ils sont en init 0 sur 1. On va voir après pourquoi. Mais ça a un rapport avec le life cycle des conteneurs et on veut que nos conteneurs démarrent dans un certain ordre pour que les services soient déjà available au moment où ils se démarrent. Tu peux remettre la lecture, ouais. Donc on a nos conteneurs qui se créent, voilà. On va voir les consommateurs passent en running. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Kafka est passé en running et donc les consommateurs sont passés en pod initialisation après. Et donc... Une fois qu'on a fait ça, on a une petite commande get services, on récupère les services exposés pour ce namespace créé, et là typiquement on a une liste d'URL qui va nous permettre d'accéder directement aux services exposés par la stack. Donc là on a pris uk.match.com, préfixé par le nom du namespace, suffixé par un truc bien de chez nous, et voilà, on arrive directement sur la page unlock de match, et donc là on peut commencer à faire des tests, bah, typiquement pour créer un compte, etc. Voilà, alors, est-ce qu'on passe au suivant ? Ouais. Donc, avec ce qu'on a vu, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. On va voir lesquelles. Bon, la première chose, c'est que, voilà, déployer toute la stack mythique dans un namespace, ça ressemble à ça. Donc, en fait, le CPU, c'est pas tellement le problème. Hein. On va avoir 2-3 personnes qui vont attaquer la stack, donc c'est pas ça qui va nous gêner. Le vrai problème, ça va plutôt être l'usage mémoire. On est aux alentours de 24-25 gigas de RAM par namespace. Donc, on a dit 150 personnes dans l'IT. Voilà, 150 fois 25 gigas de RAM. Bon, ça coûte pas cher la RAM, mais c'est un vrai sujet. Donc, il y a des sujets d'optimisation autour de ça. Décidément, là, voilà, très bien. L'autre point qu'on a vu, c'est la séquence de démarrage. Bon, le premier point, c'est d'abord, il faut optimiser la taille des conteneurs. Et là, ça prend tout son sens. Quand on va pas attendre 3 ans que le namespace soit up and running et qu'on puisse commencer à faire nos tests. Et il y a évidemment une phase de téléchargement du pod, enfin du conteneur, qui est importante. Et le legacy, là, s'il a mis autant de temps à démarrer, c'est parce que la version était pas sur le version du conteneur n'était pas sur le nœud Kubernetes, donc il a dû le télécharger et il est hyper lourd. Et bah, c'est un legacy, quoi. Et du coup, bah oui, ça met du temps à télécharger, à runner, et donc ça oblige l'utilisateur final à attendre que tout soit prêt. Un autre point, c'est ce qu'on veut éviter absolument, c'est les situations de crash lookback off. On a un conteneur, un pod qui veut démarrer, mais pour démarrer, il a besoin d'un autre service qui lui n'est pas démarré. Donc il essaye, il n'y arrive pas, il réessaye, il n'y arrive pas jusqu'à un moment, il dit stop, moi j'arrête. Et pendant ce temps-là, l'autre il a démarré tranquillement, mais en attendant, on se retrouve dans une situation où on est obligé de redémarrer des services alors qu'on ne voudrait pas. Et le dernier point, c'est il faut chauffer le cache. On va en parler, mais en gros, on n'a pas envie de se retrouver dans la situation où, quand on fait le premier appel à la stack, tous les microservices se mettent à chauffer leur cache en même temps et la page se charge en 45 secondes. Le dernier élément qu'on n'a pas vu, mais qui est important, c'est la sécurité. Là, c'est facile, on a créé un namespace. Ouais, moi je suis utilisateur, je suis développeur, je crée un namespace. Mais ce que je voudrais pas, c'est que mon utilisateur, mon copain d'à côté, il vienne supprimer mon namespace ou éditer mon namespace, voire même qu'il ait le droit pour supprimer kubesystem. Donc on va voir comment on gère ça. Alors. Donc, on va aborder chaque point un par un, en partant sur des exemples qu'on a rencontrés. Donc le premier, c'est l'optimisation de l'utilisation de la mémoire. On va prendre l'exemple de notre conteneur Cassandra. Donc Cassandra, quand il démarre, par défaut, quand vous l'installez, sa conf de base, c'est de prendre un quart de la mémoire RAM qu'il y a de disponible sur la machine sur laquelle vous le lancez. Donc comment ça se traduit si vous faites juste un pod avec le Cassandra comme ça ? Bah, ça veut dire que votre pod Cassandra il va démarrer et il va prendre un quart de la mémoire RAM du node sur lequel il démarre. Donc si votre node il fait 16 gigs de RAM, et bah, il va en prendre 4 tranquillement. Donc du coup, ça c'est un souci parce que quand on va monter plein de namespaces les uns à côté des autres, bah du coup, les pods Cassandra, à chaque fois, ils vont prendre 4 gigas de RAM et on va vite arriver à une saturation sur les nodes. Et donc du coup, on peut même arriver à des situations où les nodes vont crasher et on ne comprend pas pourquoi le node il crache, parce que pourquoi il utilise autant de mémoire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est il faut jamais utiliser les confs de base dans les applications que vous utilisez. Et donc, du coup, les tuner avec vos besoins. Ici, on est sur un environnement de test. Cassandra, il n'a pas besoin d'avoir énormément de RAM pour se lancer. Donc, du coup, nous, on a tuné ça. On lui a dit, tu peux prendre que 256 mégas maximum et 64 mégas au démarrage. L'autre point qu'on a vu aussi,
c'est les crash loop back-off et les démarrages des pods. Il y a certains pods qui sont dépendants d'autres pods. Et ça, du coup, en utilisant les init conteneurs, on va pouvoir faire attendre des pods, que d'autres pods démarrent, qu'il y ait d'autres parties de l'application qui soient up and running, avant justement que ces pods se lancent. Ça se traduit par ça. Donc, dans la configuration qu'on met, on rajoute un conteneur dans notre pod qui dit oui, je vais attendre grâce à Dockerize que mon Kafka il soit up avant que mon consumer démarre. Et donc, du coup, quand le Kafka il aura démarré, et ben du coup, ce conteneur-là va s'éteindre et le vrai conteneur derrière du pod va pouvoir se lancer. Et ce conteneur-là, du coup, quand il sera lancé, et ben là, il va chercher le Kafka, il va le trouver puisque du coup le pod d'avant lui avait attendu et donc du coup notre pod ne sera jamais en crash loop back-off et donc du coup il va démarrer vraiment de façon normale et naturelle. Autre spécificité, comment transférer justement le nom du namespace au sein des pods que vous montez ? Basiquement les pods, quand vous créez votre conteneur Docker, dedans vous ne pouvez pas savoir sur quel namespace il va tourner. Et donc du coup vous ne pouvez pas savoir le nom du namespace sur lequel il va être lancé. Kubernetes il autorise de faire ça justement en mettant des variables d'environnement au sein de vos pods et du coup de récupérer des variables que lui propose pour avoir des metadata. Donc ici par exemple on peut donner la valeur du namespace dans notre pod et donc du coup après le conteneur lui pourra utiliser cette valeur là pour l'utiliser dans ses confs par exemple ou créer des URL spécifiques comme on a vu que chacun de nos environnements est préfixé par le nom du namespace, on a besoin de faire ça lors du démarrage de nos conteneurs. Dernière chose, on a parlé du cache warm-up, toutes nos applications Symfony elles utilisent un cache. Et ce cache-là, on ne va pas pouvoir le préparer aussi, encore une fois, à la création de notre image Docker. Si on faisait ça, ça voudrait dire qu'on devrait chauffer le cache pour notre environnement de dev, pour notre environnement de prod, pour notre environnement de recette. Et tout ça, ça fait de la place. En plus, c'est pas génial d'avoir du cache de chauffer sur la dev quand vous utilisez votre artefact pour le mettre en production. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va devoir vouloir faire ? On va devoir chauffer le cache avant que les personnes utilisent l'application, mais après que le pod soit démarré. Du coup, Kubernetes permet aussi de faire ça. Il permet d'exécuter des lignes de commande une fois que le pod s'est lancé. Et donc du coup, ici, on chauffe le cache sur nos microservices. Dernier point, c'est la sécurité. Oui, alors donc on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on veut éviter c'est qu'on puisse, alors on veut faciliter la création de namespace, puisque c'est typiquement ça qu'on veut faire, on veut pouvoir lancer des environnements de test à la volée, on demand. Ce qu'on veut éviter c'est les problèmes de sécurité du type, ben, mon petit copain il vient modifier mon namespace, ou je trash le namespace kubesystem. Alors, donc pour ça on a distingué trois rôles différents, donc c'est des cluster roles hein, qu'on a créé dans Kubernetes, on va rentrer dans le détail un peu après. On va avoir un cluster role qui s'applique donc au niveau du cluster, qui est, alors nous on l'a appelé Mythic Namespace Create, mais en gros c'est un rôle qu'on a créé. L'idée c'est, bah voilà, on autorise n'importe quel utilisateur à pouvoir créer un namespace. Par contre, et donc ça c'est un rôle qu'on va binder au niveau du cluster, à tous les utilisateurs. Par contre, on va avoir deux autres rôles, un rôle de suppression et un rôle d'édition des namespaces, que là on va binder non pas à l'échelle du cluster, mais à l'échelle du namespace, de la ressource namespace, et on va voir comment on fait ça. Globalement, comment ça se passe ? Bon, on a par définition, on a dit ce rôle qui est bindé à l'échelle du cluster pour tous les utilisateurs de pouvoir créer un namespace, donc n'importe qui va pouvoir créer un namespace. Après, on a un watcher. En fait, c'est un pod qui tourne dans kubesystem, qui watch, qui utilise l'API watch de Kubernetes et qui vient écouter les événements de création de namespace et qui, chaque fois qu'un namespace est créé, vient appliquer via le role binding dans le namespace pour le delete et pour l'édition. Donc, une fois que le watcher est passé, ben, l'utilisateur qui a créé le namespace a les droits d'édition et de suppression sur son namespace et pas sur les autres. Alors à quoi ça ressemble ? Bon, on a un rôle create namespace auquel on a attribué les verbes donc de get, watch, list et create, relativement simple, qu'on va binder à l'échelle du cluster. Ça se passe ici. Ce que vous voyez là, API group, en fait derrière nous notre backend d'authentification c'est du LDAP. Donc là en fait on bind ce rôle là à tous nos utilisateurs LDAP, on liste les groupes LDAP.
Et on a aussi appliqué ce rôle à un service account. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de service account, mais en gros, c'est un compte de service qu'on crée sur Kubernetes. Et typiquement, bah, on a un token associé à notre outil qui s'appelle Blackburn, qui permet de créer les, de gérer tout ce workflow. Donc, le rôle de suppression, relativement simple aussi. Donc, on a un rôle dédié delete namespace auquel on attribue le verbe delete et que là, qu'on bind à l'échelle du namespace seulement. Pareil pour le rôle d'édition via le watcher. Donc là, pour le coup, on s'est reposé directement sur le rôle d'édition built-in de Kubernetes qu'on bind à l'échelle du namespace pour l'utilisateur donné seulement. Voilà, un petit mot de conclusion. Donc si on reprend ce qu'on a vu pendant la presse, qu'est-ce qui nous a beaucoup aidé? C'est l'héritage des conteneurs Docker. Ça nous permet d'avoir des conteneurs Docker qui sont assez génériques, qui peuvent être utilisés partout, mais en laissant la possibilité à chaque application d'avoir ses spécificités, de pouvoir justement laisser la possibilité de surcharger certains points de conf, et donc du coup d'avoir vraiment des exécutions personnalisées pour chaque microservice. L'autre point important qu'on a vu aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser les configurations de base quand on monte une application. Chaque environnement a ses besoins et donc du coup il faut bien faire attention à utiliser des configurations adaptées pour chacune des applications que vous vous servez. Après, un petit mot plus généraliste sur Kubernetes. On entend beaucoup d'histoires sur Kubernetes, il y a beaucoup de gens effectivement qui font du Kubernetes en prod et dans d'autres situations. Bien souvent, ces histoires-là, elles sont racontées avec quelques éléments. On va avoir une API GraphQL déployée, un service par-ci déployé, etc. On a fait l'exercice un peu, alors c'est pas inverse parce que finalement c'est l'objectif, hein, de mettre toute la stack mythique dans un namespace Kubernetes, c'est compliqué. c'est compliqué, on a vu pour des questions de mémoire RAM, pour des questions de configuration, pour des questions de lifecycle, de lancement, surtout qu'on est dans une logique on-demand et finalement il y a encore pas mal de choses qui sont pas tout à fait bien documentées. Il y a beaucoup de travail qui est fourni par la communauté autour de ça. Ça avance, mais c'est vrai qu'on s'est pris pas mal de murs sur le sujet. Donc voilà, ça reste quand même une expérience très intéressante. C'est un outil qu'on est en train de continuer à faire évoluer. On a un objectif aussi de s'en servir pour faire des environnements de développement. Aujourd'hui, on travaille en local sur du Docker Compose. L'objectif, c'est de pouvoir travailler à terme sur un microservice en local et d'avoir tout le reste de la stack externalisé dans un namespace Kubernetes. Le dernier point, c'est que, donc je l'ai dit, les cycles de vie des pods, on n'y pense pas suffisamment souvent parce que, en général, en prod, on a un pod qui tourne ou un service qui tourne. On ne s'attend pas à ce que tout d'un coup, tout se crash et qu'il faille tout redémarrer. On n'y pense pas forcément tout de suite. Et donc, en fait, c'est important, les init conteneurs, etc., notamment quand on veut faire du on-demand comme ça. Et l'autre élément, c'est la sécurité. Alors nous, on a été un peu aussi contraints de mettre en place ces éléments de sécurité parce que, bon, d'abord pour des raisons PCI DSS, mais aussi parce que derrière, pour installer des outils de monitoring, beaucoup requièrent d'avoir installé des credentials d'un système de sécurité sur le cluster. Voilà, si vous avez des questions. Du coup, juste pour avoir une précision, si j'ai bien compris, vous packagez les jeux de données directement dans les conteneurs des bases de données, c'est ça? Oui, c'est d'accord, ça. D'accord, du coup, qui a la responsabilité de refaire ces images, par exemple? En fait, c'est industrialisé de notre côté et les images sont reconstruites toutes. C'est bon, vous m'entendez ? Ouais. Toutes les images sont reconstruites toutes les semaines par notre CI et en fait, elle réextrait des données récentes de notre production en les anonymisant et en reconstruisant ces conteneurs et il les repousse sur Artifactory chez nous et donc du coup, elles sont disponibles. D'accord, mais imaginons là, j'ai besoin d'une migration de ma base de données, en fait, tout simplement. Du coup, je vais avoir besoin de nouveaux jeux de données qui ne sont pas encore en production, par exemple. Comment ça se passe chez vous? En fait, après, ces scripts-là, on peut les jouer, on peut relancer le job à la main. Hein. C'est pas genre, je lance le script et toutes les semaines et je ne peux pas y toucher. Je peux bien sûr recréer cette base de données si jamais, bien sûr, d'accord, une grosse évolution du schéma ou s'il y a des nouvelles évolutions. Et du coup, ça vous fait des très très grosses images ? Ou ça va vous arriver à... La plus grosse fait 10 gigas.
Oui, quand même. Ouais. Ouais. Et du coup, autre question, et je termine, c'est sur la gestion du coup, des namespaces. Est-ce que les gens sont vigilants ou est-ce que vous vous retrouvez avec une explosion du nombre de namespaces et vous n'arrivez pas à gérer ça? Globalement, on a une politique assez drastique. Un namespace qui a vécu depuis trop longtemps, on le trash. Ok. Voilà. Mais en même temps, c'est facile à recréer, donc ça ne dérange pas. Ok. Question suivante. Ouais, moi je voulais demander pourquoi vous n'utilisez pas Helm, justement, que vous avez développé votre propre Blackbeard. Alors, la principale raison, en réalité, c'est une question qu'on se pose aussi. La principale raison pour laquelle on n'a pas, en fait, c'est très similaire à Helm. Hein. La seule différence, c'est que ce qu'on a appelé un inventory, en fait, chez Helm, dans un chart Helm, c'est un value.yaml. La seule différence, c'est qu'Helm, en fait, gère pas par défaut la notion de namespace. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est dans un chart Helm, on voudrait faire varier le values.yaml en fonction des différents namespaces. Alors, on aurait pu le faire avec un certain nombre de scripts, etc. Mais comme derrière, et il y a un autre point, c'est qu'Helm n'expose pas d'API REST. Donc tout se fait en ligne de commande. Il y a un autre point, voilà, l'idée c'était juste de dire bah, puisqu'on va exposer une API REST, bah, autant faire du JSON plutôt que du YAML. Mais en gros, Blackbeard c'est quand même un wrapper très simple autour de kubectl qui fait globalement la même chose que Helm. Et oui, on se pose la question de se dire bah, en fait au lieu de se reposer directement sur kubectl, on pourrait se reposer sur Helm et directement dans le code faire la transition entre du YAML et du JSON. On expose du JSON en REST et on gère du YAML dans le file system. Ouais, carrément. On a encore 5 minutes pour les questions. Ouais. Bonjour. Quel a été votre plus gros pain point, les conséquences dans la team et comment vous l'avez résolu? Parce que j'imagine que vous êtes très nombreux et les montées en compétences n'avaient pas forcément été évidentes. Alors, c'était quoi le plus gros problème que vous avez rencontré? Moi j'en vois deux. Le premier qu'on a eu, c'est alors vous l'avez vu, on a un legacy, on n'a pas que ça, enfin on n'a pas qu'une application legacy, on a aussi des composants qui sont un peu legacy, notamment devant notre base de données Oracle en production, on a un broker qui handle les connexions, et ce truc-là a été godé en Java 1.6 avec un système de service discovery qui écoute des ports random dans une plage Linux. Et alors ça, vous imaginez bien, dans une technologie de containerisation, ça marche pas bien. Parce qu'un système qui vient écouter des ports n'importe comment, surtout quand on doit mapper ses ports sur des services Kubernetes derrière, ça ne marche pas. Donc on a dû un peu le recoder, enfin une partie en tout cas. Donc on a une branche qui traîne quelque part, qui n'est pas en prod et qui ne sera jamais en prod, mais qui ne sert que pour faire du Kubernetes. Ça a été le premier truc. Le deuxième truc, c'est globalement l'intégration, et c'est ce que tu soulevais, hein, dans une logique DevOps, qui est vraiment une culture. Quand il a fallu intégrer des systèmes type notre système de paiement, se reposer sur des MPSP, des sandbox, etc., pour effectivement effectuer des paiements par carte bleue, c'est une autre équipe chez nous qui bosse dessus. Et c'est le moment où tu dis OK, il faut que j'intègre une stack qui est maintenue par une autre équipe. Et là, tu mets les mains dans le code et tu dis mais ça, je comprends pas comment ça marche et pourquoi ils font différemment de nous, etc. Donc, tu as beaucoup d'aller-retour et ça a été un pain point. Ouais. Ok, merci. Et vous êtes combien à peu près dans les team tech de DevOps, de Dev? Avoir bossé sur le sujet? Avoir bossé sur Kubernetes ou au total? Au total et du coup la répartition sur Kubernetes. Dans l'IT, on est 150. Okay. À avoir bossé sur la partie Kubernetes, on est globalement 2-3. Enfin, on est 2 Dev et 1 Ops qui a été beaucoup avec nous aussi. Ok, merci. Pour notamment installer le cluster. Et toute cette partie-là a été faite par nous. Ouais. Du coup, côté supervision, ça marche comment? Enfin, le monitoring de tout ça, vous utilisez comment? Vous faites votre reporting? Prometheus. D'accord. Voilà, d'où la sécurité. Prometheus, on ne peut pas l'installer s'il n'y a pas un système d'authentification installé sur le cluster. Vous en êtes bien sorti avec Prometheus? Bonne question, mauvaise réponse, j'en sais rien, on vient juste de le mettre en place. D'accord, voilà. Merci. Bonjour. Petite question à propos de l'environnement de développement. Vous avez pas mal de microservices. Comment que ça se passe en local pour les devs? Alors, on utilise Docker Compose. Et en fait, pour les microservices, donc dans l'équipe de dev de microservices, on va utiliser pas mal de services soit hostés sur une machine externe, soit pour tout ce qui est microservices, on va pas utiliser les conteneurs des microservices. Parce que c'est trop lourd pour développer directement dedans. Donc en fait, on va plutôt utiliser un gros conteneur Docker où on va mettre l'ensemble de nos microservices dedans. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus souple au niveau du développement avec un volume. Hein. Et donc du coup, voilà. Et pour tout ce qu'il y a autour, soit on va utiliser d'autres conteneurs. Donc par exemple, comme on a vu, si on a notre Kafka,
des consumeurs, etc. On va pouvoir monter ces conteneurs, mais vu qu'on va être dans un environnement de dev, on va être moins dépendant d'avoir l'intégralité de la stack qui marche, et donc du coup, on va être plus limité. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à regarder pour utiliser Kubernetes dans un environnement, enfin, pour du dev, et donc du coup, avoir que le microservice chez nous et avoir l'ensemble de la stack derrière qui marche. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus une solution un peu hybride en utilisant du Docker Compose et des éléments externes. Ok, merci. Attends, pour une toute dernière question, et j'avais vu quelqu'un là-bas. Ah. Bonjour, merci pour ce talk déjà. D'un point de vue sécurité, j'ai pas vu de notion sur la sécurité des pods en eux-mêmes, enfin des services qui sont dedans, typiquement Kafka, les ACL, le SSL sur les microservices. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous faites volontairement l'impasse, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez implémenté, pris en compte dans les tests? Alors, tu veux dire faire des tests de sécurité sur le code? Non, avoir le composant tel qu'il fonctionnerait en prod, par exemple avec du SSL sur une API ou un truc comme ça. Est-ce que vous le prenez en compte ou pas? Alors typiquement, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire avec du Let's Encrypt, qu'on n'utilise pas en prod. Donc c'est un peu le... Voilà, en prod on n'utilise pas ça. Donc on est là dans la situation, tu te dis ok, mais si je mets du Let's Encrypt pour générer mes certificats pour mon environnement de testing, mais en prod c'est pas ça que j'utilise, donc de toute façon je vais le faire, mais ça va pas me servir à grand chose parce que j'ai pas le même truc en prod. Donc on l'a pas fait, on est sur du pur HTTP. Mais oui, la question va certainement se poser, ouais. À un moment donné elle va se poser. Et ce sera probablement à base de... soit on passe sur du Let's Encrypt en prod, soit on a des certificats étoile.cube.set là, chez un nom de domaine chez nous, et puis on utilise ces certificats partout. Ouais. C'est tout pour les questions. Si vous jamais vous en avez encore, et ça a l'air d'être le cas, n'hésitez pas à aller leur parler après le talk. Je vous propose encore une fois de remercier ces chers Sébastien pour ce magnifique Rex.